little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down, so don't worry. Présentation, mais on a des petits problèmes techniques, donc on va travailler avec ce qu'on a pour l'instant. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je suis Judy, donc je suis Charlène. Donc, actuellement, je vais introduire donc, les deux personnes avec qui nous sommes venues en venant. Donc, il y aura Niche qui va faire la compensation après. Donc, pour l'instant, vous ne comprenez pas vraiment de quoi je parle quand je dis compensation, mais vous comprendrez une fois qu'elle viendra. Et notre deuxième mentor, parce que ce sont les deux mentors au moment, qui est Avin, qui va venir pour pouvoir un peu expliquer ce qui est la compagnie IML. Donc, je serai la traductrice. Donc vous inquiétez pas, et puis on peut le recevoir, donc Avin. Yes. Thank you everybody, thank you. Merci tout le monde. Ok, let me put it there. So how are you guys feeling? You're comment allez-vous, right? Monsieur Dame? Comment vous sentez? So, first of all, I want to say thank you for having us here. D'abord, la première des choses que j'aimerais dire, ça serait de vous remercier de nous avoir reçus ici. And I want you to all put our hands together for Charlene for making this happen. Et j'aimerais que vous puissiez mettre vos mains tous ensemble pour Charlène qui a permis qu'on puisse faire ça. Mais je ne suis pas la seule. Il y a aussi Papa Pichard et Papa puis Pichard. Jean-Pierre qui est là. Excellent. Donc, merci. So, guys, this is the time. My dear, it's okay. You can clap. A little bit. So guys, so the reason why we're here today, donc la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, because we're here to support Charlene, on est là pour pouvoir supporter Charlene, and her new team that she's building, et la nouvelle équipe que nous sommes en train de créer, in Paris, sur Paris. Okay, so we are here now to share this information. Aujourd'hui, on est là pour pouvoir partager cette information, to give you an insight, pour vous donner un intérieur. How the world has changed now. Comment le monde a changé? Basically, based on how we earn our income. Au niveau de comment on gagne notre argent. Yeah, because the world has changed now. Parce que le monde a changé maintenant. You agree with me? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Oui. Excellent. So where the world is now, we have moved to the technological era. Où est le monde actuellement? On a changé au niveau de la technologie. On est parti du côté technologie maintenant. Okay. Si vous ne comprenez pas quand je traduisais, dites-moi s'il vous plaît. Non, c'est bon. Ça va? So, many years ago, I mean today if we look, okay, aujourd'hui si on regarde how we shop, comment on fait notre course,
How we bank. Comment on met notre argent en banque. How we communicate. Comment on communique. Has changed. Tout a changé. Everything is online. Tout est en ligne maintenant. Tell me, who here dites-moi actually ici, writes letters, qui écrit des lettres, put it in an envelope, met dans une enveloppe, lèche, and then goes to the post office. Et va sur le post office. Nobody. On fait plus ça, personne. And if you do that today, et si vous faites ça aujourd'hui, the youngsters will laugh at you. Les petits rigoleront sur vous. True? Est-ce que c'est vrai? Oui. Because everything is email. Parce qu'aujourd'hui, tout est email. Yeah. So what we're going to share with you, ce qu'on va vous partager aujourd'hui, is right in line with today's changes. C'est accordé avec le changement qui se passe de nos jours. Okay. So I want everybody here. Donc je souhaiterais que tout le monde ici. To have an open mind. Et l'esprit très ouvert. Okay. Don't be closed-minded. Ne soyez pas, n'ayez pas un esprit fermé. Yeah. Because closed-minded people. Parce que si vous avez l'esprit fermé. Get stuck. Vous serez bloqué. In their day-to-day routines. Au niveau de des choses que vous faites chaque jour dans votre vie. And to get out of that. Et pour être à l'extérieur de ça. You have to have an open mind. Il faut avoir l'esprit très ouvert. Okay. Guys, do not judge us. S'il vous plaît, ne nous jugez pas. Don't judge us because we are here to help you. Parce que nous sommes là pour vous aider. Yeah. Okay. The other thing I would like to say is, out of respect for not just myself but our speakers, can we all put our phones on silence? Alors, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que ça serait possible, s'il vous plaît, de mettre vos téléphones sur silence pour, pendant la présentation que nous allons faire? Because I want your 100% attention. Parce que je souhaiterais vraiment que vous soyez, soyez concentrés à 100%. Because they say the mind is like a parachute. Ok, ils disent que l'esprit c'est comme un parachute. And it works best. Ça travaille plus. When it's open. Quand c'est ouvert, ça travaille mieux quand c'est ouvert. Okay, makes sense. Ça vous fait un peu. Yeah. So now let me give you a background. Let me introduce myself. Donc laissez-moi vous introduire ma personne. My name is Avin. Je m'appelle Avin. I'm from the UK. Je suis de Londres. Good morning. Good morning. Okay. And basically, my background is I'm from an IT background. Alors, je travaillais en fait dans tout ce qui était informatique avant. That's right. I've done what my parents told me to do. J'ai fait ce que mes parents m'ont toujours demandé de faire. Growing up. Grandir. Go to school. Partir à l'école. Get a good education. Avoir une très bonne éducation. Get a good qualification. Avoir une très bonne qualification, ça veut dire diplôme, voilà, merci de m'aider. And get a good job. Et avoir un très bon travail. Okay? Mm-hmm. And I've done this. Et j'ai fait ça. 20 years ago. Il y a 20 ans de cela. Yeah, I completed my education. Il a tout accompli au niveau de son éducation. I made my parents very proud. J'ai tout fait pour que mes parents soient vraiment heureux de moi. Got my degree. J'ai eu mon master. I got a 2-1. Good results. Très bon résultat. Yeah. I found a good job. J'ai trouvé un très bon travail. Working in IT. J'ai travaillé dans l'informatique. Working for the government. Travailler pour le gouvernement. Okay. L'État. Started off with 17,000. J'ai commencé avec un salaire de 17,000. 17,000. Par an. Yeah, euro, you can say, mm-hmm. Or pounds, okay. And I worked my way up to 50,000. Et j'ai augmenté mon salaire jusqu'à 50,000 pounds, donc équivalent à 55,000 euros par an. Would you say 50,000 is a good salary? Est-ce que vous direz que 55,000 euros par an c'est un bon salaire? Oui. Yes. Because that's what we've been conditioned to know. Parce que c'est ce que on a voulu nous faire comprendre et croire. Because in our, you see, the conditioning how we've been conditioned. Dans la manière qu'on a été conditionné. From the education system, au niveau de l'éducation, du système éducatif, from our parents, de nos parents, from our teachers, de nos professeurs, from our religious groups, de l'église, yeah, okay, is the limit that is being given to us, guys. C'est la limite qu'on nous donne. On nous donne une certaine limite. That's the limit that we live within. Et dans notre vie, on vit toujours avec ce genre de limite. Okay, but there's further than that. Mais il y a plus haut que ça. Okay, but we don't know Mais how. Mais nous, on ne sait pas comment. Yeah, because we have been following. We've been following each other. Parce qu'on a suivi en fait chacun d'entre nous. So to,
Yeah, so today, we are all in the same boat. On est tous dans le même bateau. We want to be successful. On veut réussir dans notre vie. Meaning, I mean, guys, if I ask you a question, and I want you guys to engage with me. I want you to, yeah, to engage. Aujourd'hui, je vous pose, là, j'ai vraiment envie de pouvoir vous poser une question et que vous puissiez répondre avec moi, qu'on puisse échanger un peu. So guys, the first thing I want to ask you is, la première chose que j'aimerais vous poser comme question, what does success mean to each and every one of you? And you can put your hands up and you can speak. I would rather you speak to me. Pour vous, que signifie le succès? Et il voudrait en fait une réponse vraiment sincère. Que vous leviez votre main et qu'on puisse savoir pour vous qu'est-ce que ça signifie être une personne de succès. Le succès. Succès. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, pardon, pour moi, le succès, ça veut dire la réussite, la gloire, yeah, the glory, okay, le bonheur, the happiness, okay, la prospérité, the prosperity, la famille. The family. Je pense que c'est ça pour moi. Ok. Bien. Yeah. Mm-hmm. Good. Anyone? Bon. Disons que c'est à peu près, c'est l'ensemble de ce qu'elle a dit. D'accord. Et dans le monde d'aujourd'hui, tout ça ne se réalise que avec de l'argent. Today, actually, in the world, all what she says is correct, but all that we need is with money. True. C'est vrai. C'est vrai. Okay. So now, I mean, you see, guys, it's very simple. Vous voyez, c'est vraiment facile. Very simple. C'est vraiment facile. Because everything we're doing today. Tout ce qu'on fait aujourd'hui. Is giving us the results. Ça nous donne the same results. True? Le même résultat à chaque fois. Yes? So for you to get a different result. Donc pour vous, pour avoir un résultat différent, you have to do something different. Faut faire quelque chose de différent. Okay? Because at the end of the day, guys, for me, success means only two things. Pour moi, le succès signifie que deux choses. Owning my own time. Avoir mon propre temps. Not worrying about money. Et pas avoir de problème au niveau de l'argent. Pas penser au niveau de l'argent. Pas avoir de soucis au niveau de l'argent. Pardon. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. So the problem is, every day when we wake up. Donc le problème c'est que chaque jour qu'on se réveille. The first thing we think about. La première des choses qu'on pense. Is money. C'est l'argent. And time. Et le temps. Yes or no? Est-ce que c'est l'argent? C'est vrai, yeah. Well, now, c'est vrai, yeah. Time is money. Huh? Exactly. Yeah, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Of course it is. Okay? So for me, success means when you have all the money in the world, you don't have to worry about money, and you can spend all the time with your family, go anywhere in the world, not worry about your job, pas te faire de soucis au niveau du travail, not worry about anything, pas te faire de problème au niveau de quoi que ce soit, and just enjoy your life, et juste prendre le temps doing de vivre, what you want to do, faire ce que toi tu veux faire. Now money is not important, not everything in the world. No. L'argent c'est pas tout dans le monde. I'm not saying that. C'est pas ce que je suis en train de dire. Okay, but and the world we live in. Mais dans le monde qu'on vit. Money is very important. L'argent est très important. Okay, we have to put food on the table. On doit mettre de la nourriture. We have to feed our children. On doit habiller nos enfants. We have to feed our family. On doit habiller notre famille. Yeah. So, if that is the case. How long can we keep on chasing money? Juste combien de temps on peut courir derrière l'argent? On peut pas courir après l'argent. Parce que on peut dire que on peut avoir l'argent, mais ne pas être heureux. Not be happy. On a l'argent, on n'est pas heureux, on n'a pas la paix. We don't have peace. So what I want you to understand is money is neither good. L'argent c'est ni bon. Or bad. Ni mauvais. Okay. Money is l'argent, neutral. C'est neutre. Okay. It's people. C'est les gens. What you do with money. Avec ce que toi tu fais avec l'argent. Can be good. Qui peut être bon. Or bad. Ou mauvais. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. You understand? Mm-hmm. Okay. So for me. Non pour moi. Okay. Money is not everything. L'argent n'est pas tout. But if I can have a position, mais si je peux avoir une position where I don't have to worry about money, j'ai pas besoin de penser à comment avoir cet argent. While I'm sleeping, quand je suis en train de dormir, money is coming. L'argent est en train de venir.
Do you know how much good I can do on this planet? Est-ce que tu sais tout ce que je peux faire de bien dans cette terre? I can go to Africa. Je peux aller en Afrique. I can go to Asia. Je peux aller en Asie. I can build schools. Je peux créer des écoles. I can build places for poverty-stricken children. Je peux faire un endroit pour les enfants qui sont dans la pauvreté. I can build an orphanage. Je peux créer un orphelinat. Can you understand how good money becomes then? Voilà. Then money becomes good. Yes là, or no? L'argent commence à devenir bon, n'est-ce pas? Yeah. Oui. So the only thing I'm trying to say to Donc, you la is seule chose que j'essaie de dire, that money, l'argent, what we do with it, we can do so much good with on it. Peut faire tellement de bien because avec what we're going to share with you guys, ce qu'on va vous partager aujourd'hui, because I'm going to, I want you guys to think where je you veux are que vous puissiez penser là où vous êtes in your lives. À votre vie. Because you're all beautiful people. Parce que vous êtes tous des personnes merveilleuses. You're all respectable people. Vous êtes tous des personnes à respecter. You've all worked hard in your life. Vous avez tous travaillé dur dans votre vie. So you also deserve success in Donc vous avez tous le droit d'avoir du succès dans votre vie. But understand, mais comprenez, what you've been doing every day, ce que vous avez eu l'habitude is not taking you to where you want il to va get pas vous en, va pas vous emmener là où vous souhaitez être. So we're going to share with you. Donc nous on va vous montrer. A new way, like the same way, manière. The same way like. Okay. La même manière. Like the same way we've stopped writing letters. De la même manière qu'on a arrêté d'écrire les lettres. We've stopped going to the bank because on we do online banking. Parce qu'on a arrêté d'aller dans les banques et on a le online banking. The same way we're going to show you how we earn income has changed now. C'est de la même manière qu'on va vous montrer que comment gagner de l'argent a changé maintenant. But keep an open mind. Gardez l'esprit très ouvert. Because what you're going to see today parce que ce que vous allez voir aujourd'hui is new. C'est nouveau. It's fresh. C'est frais. You may not understand it. Vous allez peut-être pas comprendre tout. But it's a fact. Mais it's happening. Fait. Mais c'est en train d'arriver. We're going to show you guys. On va vous montrer ça. Okay? Okay. Okay, cool. So now for me, like I said to you, I've done everything what my parents told me to do. J'ai fait tout ce que mes parents m'ont dit faire. I started off 17k and like I said, I went to 50k salary. J'ai commencé avec 17 et je suis allée jusqu'à 50. I've done this for 15 years. J'ai fait ça pendant 15 ans. To realize that I was building somebody else his business. J'étais en train de construire l'empire d'une autre personne. So I was selling my time. Donc je vendais mon temps. Yeah, for money. Pour l'argent. So I've been doing this for 17 years. Donc j'ai fait tout ça pendant 17 ans. So then what happens to me? Donc qu'est-ce qui s'est arrivé? What qu'est-ce about m'est arrivé? My dreams? J'ai perdu mes rêves. Yeah, what about my dreams? What about who I become? J'allais devenir quoi? J'ai carrément oublié ma personne. So 10 years ago, donc il y a 10 ans de cela, I'm very blessed. J'ai été vraiment béni. Because I had enough. Parce que j'en ai eu marre. I had enough of working for people. J'en ai eu marre de travailler pour les because gens. I leave one job. Parce que j'ai laissé un travail. You can go to another job. Pour un autre travail. But you're still exchanging your time for money. Mais tu as toujours eu ce temps-là de pouvoir changer ton temps pour l'argent. So my question to all of you. Donc ma question pour vous. What's more important? Time plus important? Or money? Le temps ou l'argent? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le temps ou l'argent? Put your hands up who says money. Qui pense que c'est l'argent? Put your hands up who says money. Qui dit l'argent le plus important? L'argent le plus important. Qui dit l'argent? The majority of you. Who said time is more important? Qui pense que le temps est le plus important? Okay, one. So one majorité l'argent. Okay. So now I'm going to share with you. Non, maintenant je vais vous montrer. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. I was the same. J'étais la même personne. I was the same. J'étais pareil. Look at that whole thing. I was the same. I thought the same. I thought money is the most important. Je pensais que l'argent aussi c'était la plus importante des choses. So think. Donc, no, think, pensez, guys. Donc pensez. Think, guys. Pensez. Money, l'argent, we earn money, on gagne, we can go and make money, on peut mettre de l'argent, on yes, de l'argent. Money is infinity, l'argent c'est infini, there's enough money on this planet for everybody, il y a assez d'argent dans ce monde pour tout, you understand, there's enough money here for everybody, il y a assez d'argent ici pour okay, tout but time, mais le temps, time, mais le temps, time is limited, le temps est limité, because your life, there's parce only a window, vie, c'est comme une fenêtre, yeah, you may born poor, naître pauvre. You may be born to a poor family. Vous pouvez naître dans une famille Are you with pauvre. Me, guy?
Yeah? Est-ce que vous êtes avec moi? Okay. That's not your fault. Ça, c'est pas notre faute. Nobody's fault. C'est la faute de personne. Okay? So there's two things in life you cannot control. Il y a deux choses dans la vie qu'on peut pas contrôler. It's birth, naître, and death. Et mourir. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? If you're born poor, si tu es né pauvre, okay. Il y a pas de problème. If you die poor, si tu meurs pauvre, it's your fault. C'est ta faute. I'll tell you why. Je vais vous dire pourquoi. Because in between birth and death, you entre have no control. Vie, entre la vie et la mort, on n'a pas de contrôle. But in between is your control. Mais à l'intérieur, your full on a control. Contrôle. On a le, yes or no? Le contrôle total. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So now I'm going to make you understand. Donc maintenant, je vais vous faire comprendre. Why time is more important? Pourquoi le temps est plus important? Because I've just explained it to you. Parce que je your life is short. La vie est courte. But what you do in that life between ce que tu fais dans birth la vie and entre death, naître et mourir, that's in your control, guys. C'est dans notre contrôle. It's totally in your control. C'est totalement dans notre contrôle. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So whatever happens 24 hours yesterday. Ce qui s'est passé hier. Yeah. Pendant so les 24 heures. The 24 hours that's gone. Elles sont déjà parties. Can you claim it back? Est-ce que vous pouvez les redemander à quelqu'un? No. It's gone. Non. Finished. So now do you understand? Donc maintenant vous comprenez. What is more important? Money or time? L'argent, le temps. Thank you. C'est le temps. It's not money, guys. C'est le temps. Pardon. Si vous avez l'argent, vous pouvez acheter le temps. Or, si vous avez le temps, vous ne pouvez pas acheter l'argent. So, you're right. So, think about it. There's three, there's four types. Sorry, what is it? No, just try to read. It's not, what you say is right. So, there's four types of people. Donc, il y a quatre genres de personnes. Okay? The first type of person, the first type of person, they've got all the time. Il y a quatre types de personnes dans le monde, d'accord? Donc la première. Yeah. C'est vrai. People who are retired. Les personnes qui sont à la retraite. Yeah. People who are in business. Okay. Have you noticed? Est-ce que vous avez remarqué? La supermarket. Les supermarkets. Yeah. How do you say the shop owners? Small shop. Pas tout un tapé, les petits business, les superettes. So they've got all the money. Ils ont beaucoup d'argent, but ces gens-là. No, ils n'ont pas le temps pour dépenser cet argent parce qu'ils sont tout en vert. Now, that's that. So there's money, there's all the time, no money. There's all the money, no time. Mm-hmm. But there's a set of people that have got no money, no time. Il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas d'argent et qui n'ont même pas le temps. Qui sont ces gens-là? Les oubliés. Les oubliés. It's us. Les délaissés. Ce sont nous. It's the majority. It's c'est us. C'est la majorité des personnes. It's us. It's us. 95% de la population du monde. Yeah? Mais malheureusement, we don't get access to these kind of people. On ne peut pas avoir accès à ces gens-ci. Because we followed parce our parents. Parce qu'on suit nos parents. We followed our ancestral background. On suit nos ancêtres. We follow the traditional way. On suit la tradition. Unfortunately, the traditional way la tradition is not the right way c'est in pas this la environment. Bonne, c'est pas la bonne manière actuellement dans le monde actuel. Now you understand the world has changed. Le monde a changé. So le we've got to change now. Mais, donc nous aussi on doit changer. Yeah. The problem with us. We are holding on to our old core. Le problème que nous on a, et ben en fait on reste dans notre ancienne culture, dans notre ancienne tradition. It's got to stop. Faut que ça s'arrête. We got to change. Faut qu'on change. As long as we know what is the difference between good and bad, not harming people, not stealing from people, we should all know what is good and bad. À partir du moment qu'on fait pas du mal à quelqu'un et qu'on ne vole pas et qu'on ne tue pas, on va dire. Et eh ben on devrait savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. So, this is what I say. Donc, when you follow successful people. Quand tu suis des personnes qui ont le succès. Yeah. Because success leaves clues. Le succès, c'est le succès qui c'est le succès qui te suit. Yeah. Qui te suit? Des empreintes. Ah, ok. C'est les gens qui ont du succès qui laissent des empreintes pour faire l'argent.
So for me, the person that I follow, la personne que je suis, he's from the USA. C'est une personne qui vit aux États-Unis. Okay. Okay. But his background. Mais son sa vie passée. He's from Nigeria. Who's from Nigeria here? Il vient du Nigeria. Qui est du Nigeria ici? Okay. Oh, Congo? No. Congo. Who's from Congo? Qui est du Congo? Excellent. Wow. Okay. So my mentor. Donc mon mentor. Okay. His name is. Son nom est. David. David. Immunité. Immunité. Okay. He earns. Il a. Okay. From the opportunity we're going to share with you. Par rapport à l'opportunité qu'on va vous proposer aujourd'hui. He earns on average. Il gagne chaque mois environ. $1 million. $1 million par mois. Okay. So this is the guy. Donc ça c'est la personne. That I am following. Que moi je suis. Okay. And this is the same guy. Et ça c'est la même personne. That we're all going to follow. Qu'on va tous suivre. Okay, because okay. He's made it. Parce que lui, il l'a fait. We cannot question him. On peut pas lui poser de questions, n'est-ce pas? We just need to ask him how. On a juste la question à lui poser qui est comment et faire la même chose. Thank you, bro. Can I have one? Yeah. That's it, guys. So, thank you. You know, for listening to me. That. Merci de m'avoir écouté. So now, Yeah. So now I'm going to do the thing now. Okay. So, is this permanent? Okay. So guys, now everything that I've shared with you, tout ce que je vous ai partagé, was my life. C'était ma vie. Just to help you understand. Juste pour que vous puissiez comprendre. Where I'm coming from. D'où je viens. And how my mind. Et comment? How I set my mind free. Et comment j'ai libéré mon esprit. So 10 years ago. Donc il y a 10 ans de cela. I was given a book. On m'a donné un livre. Called Rich Dad. Qui s'appelait Rich Dad. Riche papa. Poor dad. Pauvre papa. Okay. The author, his name. L'auteur c'est. Is Robert. 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 Can you read that? Yeah. Est-ce que vous pouvez lire ça? Robert Kiyosaki. You have not heard this. Est-ce book? Que vous avez déjà entendu parler de ce livre? It's called no. Rich. No. Le livre s'appelle Riche Papa, Pauvre Papa. Je ne sais pas si c'est père en français ou ça sera papa. C'est l'un des deux. It's in French. C'est en français aussi. On existe, my humble request to each and every one of you. J'aimerais que vous puissiez lire ce livre. Read this book. Because it will make you understand. Parce qu'il va vous faire comprendre. Why you're working hard every day. Pourquoi vous travaillez dur tous les jours. And you're not getting the results that you deserve. Et vous n'avez pas le résultat que vous désirez. This will teach you. Celui-là vous expliquera. This is what opened my eyes. Ça c'est ce qui a ouvert mes yeux et mon esprit. Okay. So, basically, I'll just explain. So Robert Kiyosaki, when he was growing up, quand il était en train de grandir, he had two fathers. Il avait deux pères. So I thought to myself, how can you have two fathers? Je me suis dit, mais comment tu peux avoir deux pères? But one, he had one father, which was his true biological father. Il avait un père qui lui a donné naissance, qui était son père biologique. And he had his second father, was his best friend's father, who was a successful entrepreneur. Et le deuxième papa, c'était le père en fait de son meilleur ami, qui lui était un grand businessman. Okay, so Robert Kiyosaki took advice from both fathers. Alors Robert Kiyosaki prenait les conseils des deux papas. So his biological father, son père biologique, was a respectable, était un homme très respecté, man with a respectable job. Il avait un travail très respecté in society, dans la société. He was working as a lecturer in a university. C'était un professeur d'université. Would you say that's a respectable job? Est-ce que vous trouvez ça un bon travail? Oui. Absolutely. So, Robert's biological father, he referred to as his poor father. Mais son père, malgré que c'était un très bon travail, très respecté, ben il réfère son père comme un père pauvre. Pourquoi? I'll tell you why. Je vais vous dire pourquoi. Because when Robert went up to his father, his real father, he said, Dad, can you give me some worldly advice for my future? Quand il est parti voir son père et qu'il lui a demandé, Papa, tu peux me donner des conseils, s'il te plaît, pour que je puisse être une personne de succès dans le futur? And his biological father. Et son père lui a répondu. Said to him, you must go to school. Tu dois aller à l'école.
get a good qualification, d'avoir des bons diplômes, get a good job, avoir un très bon travail, and secure your future and prosper. Et avoir une sécurité sur ton futur et puis prospérer. Sounds familiar? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vos parents vous disaient ça? Oui. Ça va, on a toujours comme ça. Ok. On s'en oui. So ask them why haven't they prospered? Donc aujourd'hui, ok. Aujourd'hui, est-ce que vous avez prospéré comme nos parents voulaient? Non. Pas vraiment. Ok, pas vraiment. Bon. Ok. Okay. So I'm going to show you. You're going to understand why. Je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui. Because this changed my life. Parce que ça a changé ma vie. Not what I'm doing has changed my life. This has changed. Parce que je suis en train de faire qui change ma vie. Okay. So he went to his rich father. Donc il est parti aussi chez son père riche. His best friend's father, who's a successful entrepreneur. Le père de son meilleur ami qui est un businessman très prospère. And he asked him the same advice. Il lui a posé la même question. Sir, can you give me some worldly advice for Papa, my future success? Est-ce que tu peux me donner des conseils, s'il te plaît, pour mon futur? And his rich father simply replied. Et son riche papa lui a dit simplement. Son. Enfant. You must not keep all your eggs in one basket. Tu ne dois pas garder tous tes œufs dans le même panier. You must have. Tu dois avoir. Multiple streams. Of income. Tu dois avoir plusieurs manières de faire ton argent. Now, you're probably thinking. Vous devez vous poser comme question. The two advice, the one advice from our poor father, we can all relate to that. Le premier conseil que le père pauvre a donné, on peut tous se retrouver dans ça. Because that's what we know. Parce que c'est ce qu'on connaît. That's what's become our belief system. C'est ce qui a été toute notre croyance en fait. Go to school, get a good education, get a good qualification, get a good job, prosper, and so on and so forth. Voilà. But we've never had access. On n'a jamais eu la possibilité d'accéder. To successful people who are big entrepreneurs today. À des personnes qui étaient vraiment des personnes successful, qui avaient du succès et qui ont pu nous donner des conseils. On n'a jamais eu la possibilité. Make sense, guys? Est-ce que vous avez compris un peu? See, you're all thinking now. All of you are thinking. Nous tous sommes en train de penser actuellement, mais qu'est-ce que... Because when someone spoke to me like that, it made me think. Parce que moi, quand quelqu'un me parle comme ça, ça me fait réfléchir. Exactly. So, now I'm going to share with you. So, Robert Kiyosaki says there are only four legal ways of earning income. Donc, Robert Kiyosaki a dit qu'il n'y a que quatre manières de se faire de l'argent légalement. Four. Quatre. Légalement. Not illegal, okay? So, the first way okay. is... La première manière... Employee. C'est être un employé. The second way, la deuxième manière, small business owner. Être un petit business. The fourth one, la troisième manière, big business être owner. Être un big business. The final fourth one is investor. La quatrième, c'est d'être un investisseur. Okay, now guys, let me show you this. Maintenant, laissez-moi vous montrer ça. Yeah. Okay. Now this is what's going to blow your mind, guys. Et là, ce que je vais vous montrer, ça va vous rendre un peu. I'm going to give you your whole life. Je vais vous montrer toute notre vie. In a diagram. Dans un résumé, dans un diagramme. Okay. So Robert Kiyosaki says this side. Donc le côté gauche. Is the poor side. C'est le côté pauvre. But not poor. Mais pas pauvre. That you can't poverty poor that you can't put food on the table. Mais no. Pas pauvre comme si on peut pas mettre de la nourriture no. dans notre table, hein. No. Okay. Soyez avec nous, hein. Yeah. I'm going to tell you what poor means. Je vais vous expliquer qu'est-ce que yeah. ça signifie. Okay. Then this side. Et ce côté-là. He calls the rich side. Il l'appelle le côté riche. The right side. Okay. Mm-hmm. Right. Now, let me show you. 95% of the world population 95% de la population is on the left side. Et de ce côté-là. And only et seulement 5% et seulement 5% is on the rich side. Et du côté riche. This is not coincidence. Ça c'est pas la coïncidence. Hein. It's not a coincidence why we are here. C'est pas une and coïncidence why these people are que here. nous sommes du côté 95 et que les autres sont du côté yeah. des 5%. It's not a coincidence. C'est pas une coïncidence. Because parce que like I said to you, comme je vous ai dit, this is what we call poor knowledge. C'est ce que nous on appelle avoir une pauvre connaissance en fait.
And these people here, they get rich knowledge. Ils ont une riche connaissance. Okay. So now, let's look at each one of these. Okay, maintenant on va lire. Okay. Les cassés. So now, remember what I said to you before. Every single one of us here, when we were growing up. Donc vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que tout en chacun d'entre nous, quand on grandissait, ce que nos parents nous ont appris, ce qu'ils nous ont inculqué. The first thing we were told to do when we start walking, we must go to school. On doit aller à l'école. We must go and get good education. On doit avoir une bonne éducation. We must get good qualification. On doit avoir des bonnes diplômes. Become doctor. On doit become devenir lawyer. Docteur. On doit devenir become avocat. Engineer. On doit devenir become ingénieur. Scientist. On doit devenir scientiste. Okay. Okay. And prosper in life. Et prospérer dans la vie. Okay. That was the advice we were given. Ça, c'était les conseils qu'on nous donnait. So, when you start off your career, donc quand on a commencé notre carrière, once you finish your education, quand on a fini notre éducation, this is where you're going to be. Yes. Donc là, c'est où on you're va going to start here. Yeah? Because you won't be here. You won't be here. This is where you're going to start. You're going to look for a job. On va commencer à chercher un travail. Yes. Oui. Whether you become a nurse, whether on you become a doctor, whether you become docteur, a lawyer, you're still an employee. On est quand même un employé. Quoi que ce soit qu'on fasse comme travail, on est quand même des employés. Okay. So what does an employee do? Bon, qu'est-ce qu'un employé fait? An employee goes to work. Un employé, ça va au travail. So he will go to work in the morning, il va travailler le matin à 9h. And then finish at 5, 6 o'clock. Et finir à 5h. Yes or no? Est-ce que c'est vrai? Yeah, absolutely. Okay. So an employee, basically, employé, what they're doing is, qu'est-ce qu'ils font? They're selling their time on vend for money. Temps pour l'argent. Yes? C'est vrai? We agree? On est d'accord. Okay, so there's going to be a time. We will. But this is so important. Yeah. Because if I don't get the mindset correct for you guys, nothing si je, else is going to make sense. Trust me. Just trust. So guys, I'm going to go through this very quickly. This is not going to take long. Je vais essayer d'aller plus rapidement pour que vous puissiez comprendre. Okay. So that's an employee. There's going to be a time in your life. Il y aura un temps dans votre vie. Where whatever you've learned as an employee. Que tout ce que vous avez appris en tant que from your employers. De votre employé. You're going to want to become have your own business. Vous voudrez avoir votre propre business. A traditional business, you're going to open up your own. Could be a shop. Donc quand vous aurez souhaité vous faire un business, généralement vous allez ouvrir un magasin. Ça me coiffure, tout ça. Yeah. So is it fair to say, guys, employees will work 8 to 10 hours d'accord. per day? Est-ce que c'est ok pour vous si on vous dit que un employé ça travaille entre 8 heures à 10 heures par jour? Yes. Oui. Okay, brilliant. So let's say that's called salary, yeah. Salary. Là, on aura un salaire à la fin. Okay. So let's say now you've learned your expertise from your employers. Now you want to open up your donc, own business. Ça y est, vous avez eu toutes les connaissances que vous voulez avec un employé. Maintenant, vous voulez ouvrir votre propre business. What is a typical traditional business you want? C'est quoi comme genre de business si vous avez la possibilité d'ouvrir que vous aimeriez ouvrir? Oui, c'est pour ça qu'on vous demande chacun qu'est-ce que vous penserez ouvrir, par exemple, salon de coiffure, par soin. Cosmétiques, généralement la nourriture, restaurant, traiteur, voilà. How much will it cost you to start up your own business? Si vous devez commencer votre business, combien vous devrez mettre dans la compagnie? Combien? Généralement. Combien tu veux y avoir? 10 000, 15 000? Ça dépend. 10 000 par exemple. Okay. 10 000. So, is it fair to say 10? Voilà. 10,000 to 100,000. Ou bien, fair? Ils ont des sept. Yes. Est-ce que c'est ouais? Yeah. So between 10 to 100K, yes. Oui. To set up your own small pour business. Pour commencer ton propre business. Yeah. Oui. Where will you get the money from? Vous allez trouver l'argent où? Saving is one. Yeah. Banque. On peut faire. You will borrow money from your friends and family. Non pas la banque. Non banque. Attends. Savings is one. Oui, saving. Économiser. Money from your friends and family. Aussi, yes. Yeah. And the third one, you will take a business loan. Associés. Yeah, you will take a business loan. Vous prenez un crédit pour certaines personnes. So. Entre nous, les femmes africaines, ils ont l'habitude de faire la tantine. That's right. I know. But we're talking basically general, typical. Okay. Tout le monde, pas que nous, okay. So now,
When you have your own business, quand on a notre propre business, how many hours are combien you d'heures be working tu vas travailler ta pour propre pouvoir business? Faire monter ton business? Combien d'heures généralement? Mais quand c'est à toi, ouais, tu n'as pas d'heure. Voilà, c'est vrai. No, no time. You don't sleep. C'est à toi, tu n'as pas d'heure. Is it fair to say 10 to 18 hours you will work? Est-ce que vous pensez que ça va 10 heures à 18 heures par jour? Ça dépend. Ça dépend. Même plus. C'est ton investissement. Exactement, c'est ce qu'on veut savoir. Voilà, even more. So my question to you. Donc ma question maintenant. Now listen to me carefully. Écoutez-moi bien. Because 95% of the world population is here. Là. Okay. Now the question I'm going to ask la you. La question que je vais vous poser. Robert Kiyosaki says this is the worst way. Ça to, c'est la pire des manières. To earn your income. De se faire de l'argent. Now, we're not saying. Again, guys, understand what I'm saying. We're not saying an employee or a small business. Is not good. No. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que, cette catégorie-là est mauvaise. On est juste en train d'essayer de la casser pour pouvoir comprendre. Because in this day and age, if you've got a job and you've got a small business, you should be thankful and grateful to God. Vous pouvez remercier le Seigneur de cette bénédiction. Yeah, in this economy. Robert says, do not get stuck here. Mais Robert, il a dit, faut pas essayer de rester dans ça. Yeah, shouldn't get stuck here. Vous devez pas rester dans ça. Everything is based on you physically being there to earn your money. Parce que tout est considéré en vous être là-bas physiquement pour pouvoir vous faire de l'argent. Yes. So if you fall ill here, what happens? Donc là, si tu tombes malade. Here, these people are là, working. Si tu tombes, if you're working this kind of hours, what's going to happen to your health? Si tu travailles de 10 à 18 heures par jour, qu'est-ce que tu vas, ton état de santé, comment il va être? Et puis, il y a la sécurité sociale qui va te payer. Tu vas cotiser, côté employé. Oui, employé, côté employé. She's saying that if you are sick here, you are the company will pay you. So, the company will pay you for how long? Forever till you die? Dans mon business, je n'ai pas de marché. Est-ce que la compagnie va vous payer à vie? Par exemple, si vous avez une maladie très grave, est-ce que la compagnie va continuer à vous payer pendant un an, deux ans, trois ans, on n'a pas les mêmes systèmes avec l'Angleterre. Non, c'est juste des questions, on est juste en train d'essayer de savoir est-ce qu'on va vous payer. Non, c'est pas le système d'Angleterre. C'est le système social. On n'a pas les mêmes systèmes de sécurité sociale avec l'Angleterre. So, they will still pay them less. C'est pas pareil. Ils vont quand même vous payer, mais pas le total salaire. Le point que je veux la chose que j'essaie de vous montrer is you're selling your time for money. C'est que tu vends ton temps pour l'argent. Okay? Okay. And there's only 24 hours in the day. Et on a que 24 heures dans la journée. And there's only one of you. Il y a que un seul moi. So, your glass ceiling, your cap to what you earn is always going to be 24 hours. Donc ça veut dire que le maximum que tu peux avoir d'argent par jour, si tu dors pas, c'est que 24 heures. 24 heures de travail. Please understand what I'm saying. Et s'il vous plaît, comprenez ce que je suis en train de dire. We're going to show you the business presentation. Je vais very vous montrer quickly, le business très rapidement, mais ça. This is what you've got to understand. Et ça, c'est ce que vous devez comprendre d'abord. Okay, because when you understand this, parce que quand on va comprendre ça, you will know what to do with your life. Vous allez savoir quoi faire avec okay. votre. So now, going back to what I wanted to say, guys, on this side here, okay, big business. Donc généralement. Name me some big businesses. Dites-moi que, donnez-moi quelques noms de grands business que vous connaissez. McDonald's. Okay, McDonald's. Okay, now McDonald's. Everybody knows McDonald's. Tout le monde connaît McDonald's. My daughter was 2 years old. She knows the Golden Arches. Ma fille avait 2 ans. Elle connaissait déjà McDonald's. Elle disait déjà papa, McDonald's a 2 ans. So McDonald's is a big business owner. McDonald's c'est un très grand business. Now, think about it, guys. Pensez un peu. You can go to any McDonald's anywhere on the planet. Dans n'importe quel endroit dans la planète. They have a system in place. Ils ont un système qui est sur place. Okay, so it's that system that earns them money. Et c'est ce système-là qui fait de l'argent. So now I'm going to help you think about it. Maintenant, je vais vous aider à comprendre. Okay. Now, McDonald's. Le McDonald's. Their core business is not burgers and fries. Vous savez que le McDonald's, son business premier, c'est pas les hamburgers et les frites. It's not. Non, do you think McDonald's got the best burgers and fries on the planet? Est-ce que vous pensez que McDonald's a les meilleurs hamburgers et les frites de la planète? Non. Definition one. So McDonald's,
their main business is real estate. McDonald's, en fait, son premier business qu'il fait, c'est les créations d'appartements, de maisons, les constructions. Construction and development. C'est les constructions. Parce que pensez, every McDonald's you go to in every country, in tous every les city, vous allez they've got the dans le best monde, location. Ils ont toujours la meilleure location, du moins la meilleure. And they own the whole land. Le meilleur endroit. Et c'est à eux-mêmes. Tous les McDonald's que vous voyez, c'est à eux-mêmes. Ils ne louent pas à quelqu'un. Yes. So McDonald's are the king of franchising. Donc McDonald's c'est le roi de la franchise. That's why they. C'est pour ça. That's why they're a big business. Ils sont des gros business aujourd'hui. Because. Ils multiplient. Exactly. So my only thing I would say about this guys is as a big business owner, if you look at the big business people that we have, I'm going to show you now how his 24 hours is different from ours. Je vais vous montrer maintenant comment eux leurs 24 heures par jour est différent des nôtres. So a big business owner. Un big business. Think about it, guys, because big business owners, McDonald's, they have employees and small businesses. Employees are working for them cheap labor. Donc ça veut dire que si vous réfléchissez, si on voit bien, pardon, on voit que McDonald's en fait eux ils ont des employés, d'accord, et puis ils ont aussi des petits business qu'ils appellent les franchises. Parce qu'ils vendent en fait leur nom, on est d'accord, ok? So they bring the French fries, they bring the burgers. This is outsourcing. These are the small business. Donc là, ils donnent donc leur petit business dans les franchises, hein, les hamburgers, tout ça, c'est là des petits. So can you get the? Are you getting the picture? Est-ce que vous voyez un peu maintenant où on va là, petit à petit? Is it coming in now? Yeah. Ouais. Fantastic. So now, if you look at big business owner, he will have 10 employees. Il aura 10 employés avec lui, le McDonald's par exemple. In 10 departments, dans 10 départements, anywhere in the world, n'importe où dans le monde, and each of those 10 employees in 10 departments are giving him 10 hours. So this is 10 hours. Non. This is departments. This is employees. Non. So 10 times 10 times 10 equals to 1000. Ok. Donc en fait, ce qui fait McDonald's, on a fait un exemple très simple. Donc on a pris 10 employés de 10 départements n'importe où dans le monde. Et qui font chacun 10 heures. Donc pour vous, ça vous fait combien? 10 multiplié par 10 multiplié par 10. 1000. Donc ça veut dire que eux, leurs 24 heures, c'est 1000 heures. Voilà. Voilà. Voilà notre différence en fait. That's where your issues are. Voilà où est notre problème. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Okay. So, once you understand that, guys. On a compris ça. That's it. Ça c'est tout. That's what compris. Got me out of this. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de travailler pour une personne. Because what we're going to share parce with que you ce que je vais vous partager, is going to give you this. Va vous donner and ça. It's going to give you this as well. Va vous donner les so before I go any further, investor, you know what investors vous are. Vous savez ce que c'est les investisseurs. Ouais. Yeah. So that is the thing. So guys, this is the holy grail. This is where we all want to be. Là, c'est là où on veut tous être aujourd'hui, n'est-ce pas? Okay. So this is why this is the most powerful thing you can ever look at, guys. Because donc, on this side, yeah, this is where your money is working for you donc, while you're sleeping. Donc c'est à partir de ce moment que là maintenant l'argent travaille pour vous quand vous dormez. And here you're going to chase the money. Et là vous allez chercher l'argent, 20, chercher l'argent 30, pendant 45 years pendant 20, 30, 40, 50 de votre vie. Life. Merci. Okay. Yeah. So guys, what Robert Kiyosaki says. Donc Robert, ce qu'il a dit. Okay. How long, guys? Combien de temps? Who are employees here? Put your hands up. Qui est employé ici? Don't worry. Tout le monde. I respect everyone who has a job because in this day and age, you must be grateful to God if you've got a job. Aujourd'hui, de toute manière, on doit. Because not everybody's got jobs. Parce que on a un travail. Parce que c'est pas tout le monde qui a un travail. So how many are employees here? Combien de personnes ont un travail? Tout le monde. Okay. Je travaille. No worries. And how many self-employed combien people de vous entrepreneurs est ici? Ah, je travaille plus. J'ai compris le système. Okay. She's not working. No more. She's a self-employed now. Cool. No worries. Okay. So now my question to you. Donc ma question maintenant. You know you're here. Vous savez qu'on est de ce côté-là. How long will it take you from here to get to this? Combien de temps vous pensez qu'il faut vous allez prendre
pour quitter ce côté-là pour venir de ce côté-là. Combien de temps environ, vous pensez? Pour un 5 ans. Pour arriver là. Pour quitter là, le côté, je veux 21 ans. 21 ans. Maintenant, je suis S. Ok. Mais pour quitter de là, pour aller là maintenant. Ça va arriver. Combien de temps, vous dans une année. Ah non, 1 year. Je ne sais pas. Donc, il t'a pris 21 ans pour arriver là. Now you're here, but you want to be here. In 1 year, maybe. Yeah, but how are you going to get to here? Comment vous allez faire pour arriver? How many years you been here? 21 ans. 20 years. No, how many years you been here? It took you 21 years to get here. Combien de temps vous êtes aujourd'hui pour en tant qu'entrepreneur? 10 ans. 10 years. So you've been stuck here for 10 years. Donc ça fait 10 ans que vous êtes de ce côté-là. The reason why is because of this. C'est la raison pourquoi, c'est parce qu'on n'avait pas ça. Combien de personnes travaillent avec vous? Maintenant, j'ai 6 personnes. 6 personnes. Do you trust them? Est-ce que vous croyez en eux? C'est des jeunes, hein? Ou les moments. These young people at the moment. Do you trust your whole business model with your employees? Est-ce que vous pensez que votre business va vraiment augmenter avec les personnes avec qui vous travaillez maintenant? Because then you don't trust no one with their business. Généralement, les gens qui sont entrepreneurs ne croient jamais en leur travail. J'ai appelé le boulot pour ça. Okay, no worries. Okay. So that's cool. That's great. So guys, that's the only point I wanted to make you show you. Que je voulais because vous montrer, what vous we are going to show you can take you from here. Ce qu'on va vous montrer aujourd'hui va vous sortir de là pour vous ramener de ce côté-là. 6 months. En 6 mois. 2-1 year. Entre 6 mois, pardon, et 1 an pour arriver de ce côté-là. Using cutting-edge technology. Using technology. En utilisant la technologie. Meaning using the internet. En utilisant internet. Smartphones. Votre portable. Mais il faut qu'il soit smart. Ça veut dire Android ou iPhone. Ouais. On précise. Okay. Pas les Nokia. You know, et les applications. Vous connaissez apps. Les applications. Yeah. Ok. Those three things. Et avec ces trois choses là. In 6 to 1 year. Okay. Vous pouvez arriver là. Right. And you will have a team of people. Et vous allez avoir une équipe. Okay. You will not have to pay them either. Vous n'avez pas besoin de les payer. No. No. This is called leverage. Ça s'appelle multiplication. It's called... Ici, c'est payant par contre. Il y a une formation pour ça, c'est payant. Ici, here, we need to pay. There is a training for that. Une semaine de formation, c'est 560 euros. One week of training to learn that is 500 euros. I know. Je sais. I did not pay. J'ai pas payé. Because I'm with successful people. Parce que je suis avec des personnes qui I'm ont with succès. Rich people. They're teaching me directly. Donc ils m'apprennent directement. But there's an interest why they're teaching me this. Mais ils ont un intérêt pour. Ils ont un intérêt de vous apprendre ça, de nous apprendre ça. Because they're creating leverage. Parce qu'ils apprennent à multiplier. C'est le business. C'est le business. Okay. Okay. So thank you guys. Merci. As long as you've understood this. Si vous avez compris ça. I don't care what we show you after that. J'ai plus de problème à vous montrer le reste. Parce que ça c'était le plus important. Because this is your mindset. Parce que ça c'est votre manière de penser maintenant. If I can change your way si of thinking. Si je peux vous changer la manière de penser. Then alors, it doesn't matter, not all of you. Not everybody here is going to get this. C'est pas tout le monde qui va comprendre ça de toute manière. It doesn't matter. C'est pas un problème aussi. But if one of you gets Et si au moins une personne comprend ça, then my job is done. Moi, mon travail est fait. Okay? Okay? Thank you. Yes. So that is it. We can clear that off. And now you can show the plan. So guys, I'm going to introduce you to my dear partner, who's also in the business. I don't call this a business, guys. I call it an opportunity. She's been in it for 11 months as well. She's been very great. Okay, so she's going to do the presentation for you guys and show you the lie. Alors, excusez-moi, j'étais en train de nettoyer, donc j'ai pas pu traduire. Donc là, maintenant, il a déjà fait sa présentation, donc c'est en deux parties. Donc ça, c'était au niveau de AML. Éducation. Et maintenant, il y a le mentor, hein, un deuxième mentor qui va venir, qui va nous montrer le côté maintenant financier. Je pense qu'on attend tous ce moment-là. Et donc, elle va nous montrer ça. Et si vous appelez à passer, niche. Wouh! C'est une idée.
Like, okay. It's powerful, man. The mic. So, how is everybody doing? Alors, comment ça se la partie la plus Les questions et les réponses, on les fera après. Est-ce que là, on peut terminer ce côté-là, qui est assez intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Forex? Est-ce que vous avez tous entendu parler du Forex? Alors, le Forex, qui signifie pour échanger en fait, eh ben, c'est un marché qui est par jour 5,3 trillions de dollars qui circulent. C'est un marché de 5. C'est comme le marché d'échange. Voilà. Which I was going to come to that anyway. So Forex, in short, is exchanging a pair of currency. Donc en fait, Forex, c'est une manière très courte pour dire for échanger, exchange. Voilà, pour dire for exchanger, qui signifie pour échanger une devise à une autre. Like euro pound. De l'euro à... Une variation. Voilà, de l'euro au dollar, de l'argent anglais à l'argent. Which have a currency, voilà, n'importe quel. Ça varie à taux d'échange. Les gens gagnent à taux d'échange. Yes. Gagnent ou perdent, bien sûr. Oui. And by people making that transaction, et les gens qui font cette transaction, someone is actually earning. Quelqu'un gagne. When they're buying. Quand ils achètent. Or they're selling. Ou vendent. Or somebody is actually losing. Ou quelqu'un perd. When they're doing the same thing. Quand ils font la même chose. Because how many of us can relate when we actually travel or we have to exchange currency? Combien de personnes entre nous, quand on change de pays, on doit échanger de l'argent? Par exemple, on va au Congo, on doit changer de l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas garder les euros là-bas? Nous sommes ici, nous faisons partie de ce business déjà. And everybody in the world as well. Et tout le monde dans le monde entier en fait. So just a quick question from them. Juste une question rapide. Have you never thought the money that you have in the bank? Vous avez jamais pensé à l'argent que vous mettiez dans votre compte? What does the bank do with that? Qu'est-ce que la banque fait avec ça? Ils travaillent sur ça. Ils vont prendre ça. And obviously every country is different. Donc obligatoirement tous les pays sont différents. How much interest do you guys get in France if you're putting that money in your savings account or in the bank? Ah, aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de prendre tout cet argent que vous avez mis dans votre compte, combien d'intérêt vous avez dans ça? À la fin de l'année, par exemple. 15%? 15%? In England, normally, à Londres, généralement, c'est entre 0.2% et 0.5%. Okay. And the funny thing is, et la chose très marrante dans ça, they keep 99% something for them. Ils gardent 99% de votre propre argent pour eux-mêmes. Hein. And yet we're okay with that. Et nous, on est super ok avec ça. Nous, on est d'accord avec ça. Sans savoir. Mais on ne peut pas respecter. Non, oui, mais je veux dire qu'on est habitué, encore une fois, à ça. Ok, that can change as well. Et ça, ça peut changer. To what the lady did, because you don't know any different way. Because you don't know any in different way. Parce que vous ne connaissez pas en fait qu'il y a une autre manière de se faire de l'argent dans ça. And that's why you just know the bank. Et c'est pour ça qu'on ne connaît que la banque. Now, just quickly as well, think about 3-4 years ago in Greece. What happened in Greece? Si vous vous souvenez, il y a 3 ans ou 4 ans de cela, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? The whole country went back. And so, answering to what the lady said. Donc pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, even the bank is not 100% trustworthy. Même la banque n'est pas à 100%.
Et même la banque n'est pas à 100% garantie, n'est-ce pas? Because anything can happen to this. Parce qu'il peut arriver partout. But it's just you've been conformed. Mais on a juste été habitué. That the bank is the safest place. Que la banque est la meilleure place. But it's not really the safest place. C'est pas vraiment la meilleure place. You don't know any difference. Mais c'est qu'on ne sait pas une autre manière de pouvoir garder notre argent. This is just for the knowledge. Anyway. Ça c'est juste pour nos connaissances personnelles. Yeah. So nothing is guaranteed in life. Either. Rien n'est garanti dans la vie. That's one thing you need to understand. Ça, c'est une chose qu'on doit bien comprendre. Now, coming back to Forex now, is the exchange of one pair of currency against the other. Mm-hmm. And here, we're just here to show you, like, it's an education that you need to have to be able to learn how to multiply your money. Forex, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est une éducation qu'on doit avoir dans notre système, dans notre tête, afin de pouvoir savoir comment multiplier notre propre argent. Mm-hmm. Now, think about it. Every day, there is 5.3 trillion dollar turnover. Donc aujourd'hui, chaque jour, il y a un marché où on y gagne entre 5, en fait c'est un marché tournant où il y a plus de 5.3 trilliards par jour. Do you guys even know how many zeros is in trillions? Est-ce que vous savez combien il y a de zéros dans trillions? Moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, perso. 16. 16? 18. 18. 12. Bingo. It's yeah, 12. It's 12. Now think about this. To be able to learn such a skill set, would you guys say it's cheap or is it expensive? Pour vous, est-ce que vous pensez que pour pouvoir apprendre ça, comment multiplier notre argent, c'est moins cher? Du moins, non, pas moins cher. Ça, c'est quelque chose de donné, la formation? C'est quelque chose qui est... Quelque chose, non, pas facile. Je veux dire, la formation pour la faire. Ça va vous coûter cher? Elle va coûter cher ou elle ne coûte pas trop cher, à votre avis? Si vous allez voir sur Internet, la formation peut être à combien comme ça? C'est 560. La formation pour pouvoir devenir trader. Vous avez une idée combien ça va coûter? Non, vous n'avez pas d'idée. Non. I'm going to tell you why. Je vais vous dire. The reason we were never exposed to it. La raison pour laquelle on n'a jamais été exposé aussi à ça. Because in the old days. Parce que dans les anciens jours. It used to cost you thousands. Ça coûtait des millions et des mille pour pouvoir apprendre ça. And you had to be worth a certain amount to be part of this industry. Et il fallait aussi que tu puisses avoir un certain montant dans ton compte en banque pour pouvoir apprendre ou pour pouvoir rentrer dans ce système là. C'était pas tout le monde en fait. It wasn't accessible to you. C'était pas accessible à tout le monde. C'était que aux élites. Les personnes ne sont pas ici. Pardon? Les personnes là et avoir ne sont là, ne sont pas ici. Pas pour l'instant. Ah ben oui. Mm-hmm. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on nous apprend ça aujourd'hui. Ah voilà. Mais c'est ça que. That's what I'm going to. Anyway. C'est pour ça que. Yeah. And the whole point is nowadays we're so blessed. Mais aujourd'hui, on a été vraiment bénis. Because with the revolution of technology, avec la révolution de la technologie, normal people like me and you, des normales personnes comme moi et vous, with a smartphone, avec un téléphone portable, and internet, et internet, we can get access to this. On peut avoir accès à ça. Because to be able to learn this, I don't know how much it is obviously in France, but back in the UK and in most parts of the world. Aujourd'hui, je sais pas combien. It won't make a difference to the ça fera aucune différence au niveau de l'océan. But to you in your life. Et toi dans ta vie. 100 euros, 1000 euros ou plus, ça fera une grosse différence. So let's go to the education. Allons-y, allons dans les is that clear, like how? Est-ce que c'est compréhensible? Vous avez compris un peu pour l'instant? What is forex? Okay. No. And we're learning the skills that have to do. Yeah. So the company that we're going to go to is now is called. Donc la compagnie qui nous apprend ça aujourd'hui, elle s'appelle IML. So iMarket Live. Ce qui signifie iMarket Live. And the company's been there from July. La compagnie existe depuis le 3 juillet 2013. Exactement. Non, il n'y a pas longtemps. And it's touching its 5th anniversary. Donc ça veut dire que le 4 juillet prochain, eh ben, la compagnie aura 5 ans. Okay. Now, the company owner, Christopher Terry. Donc le créateur de cette compagnie qui s'appelle Christophe Terry. Okay. By profession, he is a professional trader. Donc la profession de Christopher Terry, c'est un trader de profession. He's got over 24 years. Il a plus de 24 ans d'expérience dans le trading. So he was actually working for big companies. Il a toujours travaillé pour des très grosses compagnies. He was making very good money. Et il mettait énormément d'argent. Il faisait beaucoup d'argent. He's worth himself in millions.
son argent annuel est équivalent à des millions. And he's been doing a lot of financial talks. He's got accolades as well. He's been like dans des séminaires. Il fait beaucoup de séminaires lui-même en tant que économique, du côté dans le côté économique et finance. He's very well known in il est très connu dans la compagnie, dans le milieu financier, Wall Street et tout ça. Il est déjà très connu. But he actually realized making money is good for him. Il a compris que se faire de l'argent c'est très bien pour lui. And the forex industry works. Et que le forex ça fonctionne. That's why he's there 24. C'est pour ça qu'il est là depuis 24 ans. But he was thinking away. Mais il est en train de réfléchir. How can I help and make comment a difference? Je peux aider et faire une différence. Remember what Avin said earlier. Souvenez-vous de ce qu'il a dit, Avin. Money is neutral. L'argent c'est neutre. How you go about it, how comment you toi tu l'utilises, c'est là qu'il change. Yeah. Ou soit tu peux l'utiliser en bien ou soit en mal. And then he was like, let me do something. Il s'est dit, laisse-moi faire quelque chose pour pouvoir help the people out there. Et qui pourrait me permettre d'aider les autres personnes. And then make a difference. Et mettre une différence. Because understand something, success you can find anywhere. Le succès tu peux trouver partout. Significance, making a difference. Mais mettre une différence avec cet argent que tu as ou avec ce succès, c'est ça qui est plus important. Yes, you don't get that. So, pourquoi en ligne? Parce qu'en ligne, c'est global, c'est mondial. Voilà. Because understand something, if you're in a country, you can learn how to do marketing, advertising, et publicité. 50 euros. Même pas. 20 euros. À peu près 20 euros. It's about 100, because it's always 10 times more than you're gonna pay. C'est à peu près 100 euros en fait pour faire un téléphone. Voilà. Parce qu'il rajoute généralement plus de 10%, de 10 fois le prix de base. Would you not go there? Aujourd'hui, si il y avait eu la possibilité de pouvoir partir directement dans la compagnie où on crée le téléphone à 100 euros, ce dernier. Have the marketing, the advertising. C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent. The word of mouth concept. Des publicités. Yeah. So in there, so when he developed this platform, he actually put on AML Academy, whereby you've got 60 plus videos. Où on a plus de 60 vidéos. Yeah. In different languages, which is coming out as well. And then from there, it teaches you from basic to advanced. Dans ces vidéos-là, on nous apprend depuis le commencement, donc depuis débutant, jusqu'à professionnel. Okay. And then after that, you've got the IML TV. Après ça, on a le IML TV, which is IML TV. Like a webinar, like a web Zoom. C'est comme une conférence en fait en ligne et en direct. Where you have professional traders. Où il y a des professeurs. Who's actually teaching you? Qui nous apprennent. How to learn forex. Comment apprendre le forex? How to learn. Ça a des heures précises. Because it's global, remember. Parce que c'est dans le monde entier, donc on essaye de pouvoir. And different instructors, different time. Voilà. As well. Donc chaque instructeur a son temps. It's recorded. Ça a été enregistré. Donc on peut les regarder après, malgré qu'on n'a pas pu écrire aux personnes, aux professeurs, mais on peut regarder après tout sera là pour une période. Yeah, that's it. So this is actually one of the main tools as well where people. Donc ça c'est l'application un peu la plus importante, hein. Especially where you get professional people. Qu'on a des professeurs qui nous apprennent. Donc quand je dis des professeurs, ce sont des traders professionnels qui sont là pour nous apprendre à trader comme eux. Because if you were to learn something, it doesn't matter which field, you would want to learn from the professional, right? Donc généralement quand on a quelque chose qu'on veut apprendre, c'est toujours mieux d'apprendre par les professionnels que d'apprendre par des amis ou autres. Mm-hmm. And then the other thing that we have is called the daily swing trade. Et donc l'autre chose qu'on a, ça s'appelle le daily swing trade. Ça, on ne peut pas le traduire. Hein. Donc, il y a certains mots comme Facebook, Google, ouais. Qu'on est obligé de garder. The daily swing trade is actually a trade that Christopher Terry himself does once or twice a week. Donc, à partir de là, de ce troisième-là maintenant, ça, c'est directement une application qui nous apprend à trader directement. Donc là, on commence déjà à rentrer dans la cour des grands, entre guillemets. Et ça, c'est une application que le créateur lui-même a créé pour nous, spécialement les débutants, on va dire, pour qu'on puisse juste copier et coller. Pour les particuliers. Daily swing trade. Yeah, they can get all of that. Oui. After, so let them know as well. And the good thing is this one, I don't know if the
they are familiar with digital currency, cryptocurrency. Elle se demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cryptocurrency, crypto devise, Bitcoin? Bitcoin. Oui, voilà, ça s'appelle cryptocurrency. Les monnaies virtuelles. Oui. Voilà, voilà, oui. And you guys know that this is where the world is going. Yeah, est-ce que vous savez que là actuellement, que vous le vouliez ou pas, c'est là où on est en train de faire. It's all in the academy. Toute cette connaissance en fait au niveau de l'argent commence à évoluer depuis le début. Et ben c'est tout ça dans l'académie, dans les vidéos. And that's why when I started, I mentioned this is something they need to teach at college. Et donc c'est pour ça qu'elle disait tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on aurait dû apprendre dans l'histoire en fait à l'école, mais qu'on nous a jamais appris. Because all of us is doing whatever we're studying to get a job, to get money. Mm-hmm. But this is where the money is, so let's learn. On nous a toujours appris à comment faire pour pouvoir avoir de l'argent, mais ça c'est là où vient l'argent. Pourquoi on ne l'a pas appris finalement? Yeah. And then so this one, Christopher Terry. Lately, he's been doing a lot of digital currency, Bitcoin, against US dollar. Ah, ok. Donc là, actuellement, ce qu'il est en train de faire, Christopher Terry, il est en train d'essayer de pouvoir faire des analyses entre le Bitcoin, le Bitcoin qu'on est en train de parler, et le dollar, afin qu'on puisse maintenant même acheter le Bitcoin ou vendre le Bitcoin directement avec l'application. Voilà. Chose qui est très intéressante. This is how good and advanced it is, and voilà. This is... Ça nous prouve comment on est en train d'évoluer même dans cette application. C'est énorme. Okay. And then the other thing that we have now is Harmonic Scanner. On a aussi une application qui s'appelle Harmonic Scanner. Okay. So this is the software that's been created by Christopher Terry himself. Ça c'est une application aussi qui a été créée par Christopher Terry. And in there he provides all the information, the tools and analysis to be able to take trades, live trades. Voilà, donc ça par contre, à la différence de l'autre, ça nous permet de pouvoir nous-mêmes faire des prévisions afin de savoir à quel moment ça va descendre avant ça descende ou à quel moment ça monte avant que ça monte. Le taux. Le change. Voilà, comment ça peut monter. Mais c'est beaucoup plus, profond que ça, mais en quelques lignes. Ça nous apprend à comment faire. Because remember, again, I'll keep repeating it. This is not buying and selling of currency. It's learning the education. Ça c'est skill set. Voilà. Ça c'est pas juste. C'est pas juste acheter et vendre. D'accord. C'est pas que ça. Ça nous apprend comment acheter et comment vendre. Parce que si tu es là que à acheter et à vendre, c'est deux choses différentes. Mais si tu sais comment expliquer et comment et vendre, au bon moment. Voilà, exactement. Yeah. C'est ce qu'on nous apprend. And get the right and correct information. Voilà. So this software actually gives you live trades. Donc ça nous permet de pouvoir avoir des trades immédiats, directement. Donc dès que le trade il vient dans la bourse, on l'a directement, en même temps que les autres. Il n'y a pas de différence. Tu dois juste prendre les caractères, donc connaître les prévisions, tu les places, et ça on ne va pas toujours. Voilà, il y a certaines... That it teaches you. Criteria? Non. Il y a certaines... Loi. Il y a certaines lois qu'on a dans le trading qu'on nous apprend. Yeah. And then the other thing as well, just to let you guys know, we need to pay attention to fundamentals as well, the news, because whatever is happening in the world has an impact on trading. Voilà. Aussi pour pouvoir faire ça, c'est très important pour nous de regarder les informations. Parce que c'est grâce aux informations qu'on peut savoir si ça va monter ou descendre. Je vais vous donner un exemple, je vais t'aider aussi. Comme par exemple, dernièrement, il y avait Trump qui avait dit je ne sais quoi. Ça a fait chuter le dollar. Oui. Vous voyez? Oui. Et donc, tout ça, c'est très important. Donc, des fois, tu peux avoir entendu une parole que peut-être 1 million de personnes a entendue. Oui. Mais au moment où tu l'as entendu, si tu poses ton trade directement, tu as la possibilité de gagner des millions. Très important. Parce que ce petit mot a été parlé. Voilà, exactement. Les news, c'est très important. Ça peut vous indiquer aussi les devises flottantes et les devises fixes. Everything related with money. Tout ce qui est en relation avec l'argent, oui. C'est que flottante. Oui, je pense. Because in technical trading. Dans les cours qu'on aura maintenant, on a tous les genres de traders. Ceux qui sont là régulièrement, ceux qui sont là de temps en temps, ceux qui sont là quand il y a juste des trades très importants, on a tout. Okay. Yeah, okay. That's it. And then that's the Harmonic Scanner. Okay.
And then the other one that which we're going to do is now is the swap trade. Okay, so this is another application. Let me summarize. Yeah. So the swap trade is literally, Charlene, which you can tell them, copy, paste, profit. Ok, ça c'est encore une autre application, ça n'a pas été créé par Christophe Arcelé, ça a été créé par d'autres professionnels et qui sont aussi, c'est un copier-coller. C'est aussi un copier-coller. Donc à partir du moment où c'est copier-coller, tu peux faire ton argent. Et je pense que tout le monde sait copier-coller, plus ou moins. Non? De toute manière, on peut approfondir quand c'est pas un problème. Yeah. Ok. That's it. And this one, you don't need to know any knowledge about Forex. Everything is done for you. Just follow the instruction. Donc ça, par contre, t'as pas besoin de connaissances au niveau du Forex. Si tu sais copier, tu sors de l'application, coller dans l'autre application, et ben c'est de l'argent fait. Mais où on va trouver les applications? C'est une portable spéciale. Non. C'est une app. C'est l'application qui est dans IML Markets. Dans tous les portables. Non. Smartphone. Ça dépend du téléphone. À partir du moment où vous avez un smartphone qui signifie hype, qui signifie. Play Store ou. Voilà, Play Store. Avant, tu prends, voilà, de Android. Play Store ou Apple. Voilà, c'est. Ok. Un Android ou sinon un iPhone. Whichever one, it doesn't matter. You don't need to change your phone, guys. Okay. And then the other thing that we have now, yeah, is the web analyzer. Après on a le web analyzer, c'est aussi une autre application. Crypto analyzer. Et après on a la crypto analyzer. Crypto analyzer. Après on a le crypto, donc c'est ce qu'on parlait du Bitcoin tout à l'heure. And the crypto coins. Il y en a le crypto coin aussi. Ok. Donc ça, dans le crypto swipe, c'est à peu près pareil que le swap trade. Mais c'est sur le crypto. Yeah. Ok. Donc, ok, donc ça c'est le côté, ça a été le côté éducation, d'accord? Donc maintenant je vais prendre la relève. Donc voilà, merci beaucoup, Nish. Ok, guys, Non. Ah d'accord, je suis là. Ok, bon alors là, la dernière partie que moi je vais vous présenter. Ok, guys, please. C'est la dernière partie. Je vous promets qu'après c'est fini. Guys, this is the part where we're showing how to make money. Please, listen now. Guys, guys, leave your paper. Come to the front. C'est la dernière partie. And that's it. Guys, come to the front. Come to the front, please. No, it's okay. Yeah. Let's go. So, alors, je ne sais pas si on aura assez de place pour la partie que je vais vous montrer là. C'est la dernière partie. Ouais. Là, on a commencé. D'accord. Rapide, oui. Non, Ernest, c'est bon, là. Ouais, d'accord, là je fais juste la dernière partie, ce qui est côté financier. Yeah, et puis pour pouvoir développer ça, toutes les personnes qui sont intéressées viendront, d'accord? Alors là, la partie que je vais vous montrer, c'est comment, si ce côté-là par exemple ne vous plaît pas, ne vous satisfait pas, et vous vous dites, bon, mais Charlène, comment moi je peux me faire de l'argent assez rapidement dans ce business-là, sans pouvoir trader? Mais moi je vais vous dire qu'il y a possibilité, parce qu'il y a une deuxième manière. Et cette deuxième manière, c'est quoi? C'est de pouvoir en fait, pouvoir donner tout ce que je vous ai donné, je vous montre tout ce qu'on vous a fait aujourd'hui, la partager avec une autre personne. La partager comment? Ça veut dire que par exemple, vous avez deux ou trois personnes qui sont intéressées par exemple par rapport à ce que vous avez dit. Donc, vous êtes là, d'accord? Vous avez deux personnes qui sont intéressées par ce qu'on vient de faire. La compagnie, et ils viennent s'inscrire avec nous, d'accord? Vous, en tant que personne, votre forfait mensuel est annulé. D'accord? C'est la partie importante. Ouais, pour certains. Ok? Donc là, le forfait mensuel est annulé. À partir de la troisième personne que vous allez recevoir, la compagnie vous dit merci beaucoup d'avoir amené une personne. Vous savez quoi, à partir de maintenant, on vous paye. Et là, ça commence à être intéressant. Là, on vous paye 150 $ par mois. Pour amener les clients. J'explique. Donc, ça veut dire que c'est pas.
voilà, par exemple, là vous êtes venu, vous vous êtes inscrit chez nous, d'accord? Vous avez dit, moi je veux cette éducation-là, ou j'en veux faire juste de l'argent. Donc, j'ai ramené deux personnes. Si j'ai ramené deux personnes, la compagnie vous dit, mais t'as ramené deux personnes, tu payes plus ton inscription. Du moins, tu payes plus tes frais mensuels. C'est gratuit pour toi à vie. Mais il faut que tu aies que deux personnes. Et que ces deux personnes-là, l'inscription, elle est à 195 dollars. L'inscription. D'accord? L'inscription, je vais l'écrire. 1 euro? 1 euro, c'est 200. Ah, donc après. 1 euro, c'est 200. Ok. L'inscription, ouais. L'inscription, elle-même, elle est à 195 dollars. Je peux vous expliquer, s'il vous plaît? Oui. Elle est à 195 dollars. Oui. Elle est à 195 dollars. Mais pour pouvoir s'inscrire, on a besoin de certaines applications. Comme le soit tu être copier-coller pour se faire de l'argent rapidement. Et qui est équivalent à 10 à 15 dollars, je crois, ou 17 dollars, quelque chose comme ça, qui nous donne un total environ de 117 dollars, qui est équivalent en euros à 195 euros. C'est bon. D'accord. Ça, c'est l'inscription. À partir de là, vous me dites que, ok, d'accord, moi, je veux personne. Il y a certaines personnes qui veulent se faire de l'argent que pour. Il n'y a pas de problème, vous pouvez. Parce que vous n'allez que trader. Donc, si vous avez des 10 000, des 3 000, ça dépend de vous. Vous paierez votre inscription qui est par mois à 150 euros. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, il y a certaines personnes qui se disent que moi, je ne veux pas payer ça. Charlène, ça ne m'intéresse pas. Et je ne veux pas trader non plus. Je vais vous dire, dans ces cas-là, fais-toi de l'argent par rapport à notre compagnie. Et comment? Tu prends 3 personnes, la compagnie te paye 150 dollars. Chaque mois. Mais comme on est aux États-Unis, on ne paye pas par mois, on paye par semaine, qui est équivalent à 37,5 dollars, qui arrive chaque semaine dans votre compte. C'est déjà intéressant, hein? 150, on peut faire quelque chose en dollars, qui est équivalent à 110 euros. Après, vous me dites, les personnes que vous avez inscrites, eux aussi, sont là. J'ai pas envie qu'il y ait toi qui prenne de l'argent, moi aussi je veux gagner de l'argent. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Elle trouve ces 3 personnes. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Alors, je me mets ici, d'accord? Je suis là. J'ai 3 personnes. D'accord? Elles sont là. Ces 3 personnes-là maintenant, elles veulent aussi gagner 150. On rajoute 3 personnes à chacun. D'accord? Ces personnes-là ont les 3 personnes. Tout simplement, il n'y a pas de problème. Celles-là, chacune, elles se sont fait 150 euros. 150 dollars, pardon. Elles sont contentes aussi. Mais vous, à ce moment-là, vous avez 600 dollars. Payés par mois. J'arrive, tantien. Donc, à ce moment-là, vous êtes aussi payé par semaine. Toujours, hein. C'est équivalent à 125 dollars par semaine. Là, ça commence à devenir un peu intéressant, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Il faut avoir 150 dollars là. Après, il faut avoir 3 personnes. Mais en fait, là, il faut qu'il produit. Non, il a mieux parlé. Non, il n'y a rien à produire. T'as tes 3 personnes. Oui, t'as tes 3 personnes qui sont eux en train d'apprendre le trading. Si vous voulez comprendre, il faut que je vous explique, n'est-ce pas? Donc, ces 3 personnes-là, elles sont là où soit. Elles apprennent le trading, ou soit elles veulent faire comme toi. Parce que certaines personnes, quand elles veulent gagner de l'argent, elles veulent gagner aussi, on est d'accord. Généralement, tout le monde. Non, à partir de là, elles disent non, moi je veux pas que toi tu gagnes seul. Moi, si je veux gagner, je fais comment? Tu as tes 3 personnes. Voilà, tu leur montres l'idée. Mais c'est pas une obligation, d'accord? Ou soit c'est ça, ou soit c'est ça, ou soit c'est les deux. Et à partir de là, tu commences à gagner tes 600 dollars. Et à partir de ce moment-là, ces personnes-là peuvent avoir encore 3 personnes chacune. D'accord? Elle montera à 600 dollars. Maintenant, toi, tu montes à 1000 dollars. Aussi simple que ça. C'est très simple. Moi, j'essaie de vous aller en venir un peu. Et ainsi de suite. Il y a des échanges. D'accord? Pendant ce moment que vous faites cet argent-là, que la compagnie vous paye et que vous êtes en train de trader, l'argent que vous avez de ce côté-là, au niveau du trading, la compagnie ne touche aucun argent sur ça. Si vous gagnez 200, que vous gagnez 100, que vous gagnez 10 000 euros,
la compagnie ne touche rien du tout sur votre argent du trading. Ça, c'est un fact qu'il faut savoir. Sur ça, c'est vous, vous aussi. L'argent vient directement sur votre compte. C'est un compte qui est basé aux États-Unis parce que nos boss sont aux États-Unis. On est d'accord qu'on a une carte directe. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez mettre votre argent sur votre compte, c'est votre décision. Sinon, vous le gardez dessus. La somme au niveau de la carte que vous allez recevoir de là, il n'y a aucune limite. On a une personne dans notre groupe qui a reçu en une semaine 17 000 pounds. Il a enlevé 11 000 immédiatement. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils voient, ils voient double. Hein, on n'est pas sûr. Donc, il a enlevé l'argent pour toucher son argent. Et il l'avait réellement. D'accord ? Il y a dans le forex. Dans le trading. Dans le forex, exactement. Cette somme-là, je ne vais pas aller jusqu'à la fin parce que c'est beaucoup. Ça commence même de quoi donner un peu le tournis. Ça va jusqu'à, comme on disait, au Monity, qui est à cette somme-là que la compagnie donne par mois. Quand la compagnie donne cette somme-là par mois, il y a des bonus. Parce que la compagnie ne te voit pas juste pour travailler. Ou te voir te dire que, ah oui, tu fais ça pour nous. Non. La compagnie te récompense tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et les bonus sont tellement énormes que si je vous les dis maintenant, vous allez perdre même, je pense, l'envie de pouvoir être dedans. Vous allez dire, c'est trop cher, arrête de mentir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, arriver jusqu'au moins 1 000 $, c'est déjà très bien. Pour certaines personnes, je pense qu'à partir du moment qu'on arrivera là, vous allez commencer à réfléchir deux fois avant d'aller au travail. Pourquoi? Parce que vous allez dire, je suis chez moi, j'ai eu la possibilité de donner à ma cousine ou à ma soeur la possibilité de se faire 150 $, que ce soit ici ou en Afrique, c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas de limite. Ouais, ça veut dire que... Il y a des échanges par contre. Non. Tout en sachant que moi je vais mettre des publicités, est-ce que vous allez installer mes publicités comme vous voulez? Tu as déjà toutes tes publicités. Parce qu'à partir du moment que tu es avec nous, tu as un website qu'on te donne, on te procure, tu as ton adresse email, tu as ton site internet, tu as tout. La seule chose que tu as fait. Je me suis déjà avoir, c'est pourquoi je pose la question. Oui, il n'y a pas de problème. La seule chose que tu as à faire, c'est juste de partager ton adresse email, que tu crées toi-même. À partir du moment qu'on a une chose aussi qu'on a oublié de préciser, dans le trading, on ne prend pas votre argent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache. Vous tradez vous-même. Les erreurs que vous ferez, ça sera vos erreurs qui vous en prendront à grandir. Et on a la possibilité de vous faire un compte démo. Un compte démo, c'est un compte où il y a la possibilité d'apprendre comment perdre, comment gagner. Et tu peux faire toutes tes erreurs parce que c'est de l'argent virtuel. On est d'accord? Donc, il y a certaines personnes, moi personnellement, Charlène, je préfère ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, j'ai la possibilité de, si j'ai des personnes au pays, leur donner de l'argent ou soit leur dire que bon, je te paye 150, va faire un business où tu pourras avoir de l'argent pour toi-même. J'ai plus besoin que Pierre-Paul Jacques me téléphone pour l'inscription de mon frère, pour les malades, pour les médicaments de Pierre-Paul Jacques. Non, tu peux te débrouiller. À partir du moment où tu as la connexion Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aide beaucoup de personnes. Et nous-mêmes. Et on arrête de travailler pour les gens. Voilà pourquoi j'aime ça. Ça aussi, c'est très bien. Mais ça, il faut apprendre. Il faut être discipliné. Et c'est très important aussi. Donc, le mieux, ça serait, du moins pour moi, ça serait peut-être avoir certaines personnes à qui j'ai la possibilité de pouvoir aider. Et me concentrer peut-être même une demi-heure par jour à pouvoir regarder une vidéo, tout simplement. Et me faire de l'argent. À partir du moment où tu te feras de l'argent toi-même, les gens commenceront à te dire, mais tu as fait ça comment? Tu fais ça comment? Parce que ta vie va changer petit à petit. Donc, c'est ça en fait, grossièrement, ce côté-là, pour ne pas vous prendre trop de temps. Je suis désolée parce qu'on a dépassé. Donc, voilà qu'est-ce que la compagnie IM. Donc, je laisse Abin terminer. Merci. Guys, please, please, guys. Okay, guys, you know, for us to come up here. Donc, pour nous, pour venir jusqu'ici. And share this with you. Et partager ça avec it's not easy, guys. C'était pas facile. You know, because I give my whole respect to these guys. Je donne du respect pour nous. To come up here and speak pour to you guys. Pour venir ici et parler devant vous. Yeah. Because many of you guys parce have been talking, you know. Parler, it's all good. Ça, mais c'est bien. But you know, we have to give respect to these young ladies. Mais on doit lui donner du respect. Because they're fighting for their dreams. Parce qu'on est en train de se battre pour nos rêves. You know. So you have to give them that courage. So again, let's give it to them. Okay. So guys, I'm just going to break it down for you. Donc maintenant, okay? On va finir, on va conclure. Very simple. Très facilement. Okay. All our lives, we've been trying to make a lot of money. Ouais. Okay. The banks has been using our money, our savings in the bank, and multiplying it. Aujourd'hui, les banques, comme je disais depuis le début, donc les banques nous ont toujours utilisé. Donc aujourd'hui. Yeah. And us people, who are we? We are working class people, we are common people. On travaille, on est des personnes yes? communes. Mm-hmm. That's who we are. Oui.
Okay? We've never been given the chance or the opportunity, okay, to learn how to multiply money. Okay? For the first time, we've been given access to this bloody industry, guys. Okay? So if you're asking yourself why you're struggling, because guys, please, please, guys, yeah? The money that you're earning from your jobs today, l'argent que vous gagnez dans votre travail aujourd'hui, at the end of the month, it comes, and then it goes. Il vient et il part. Comes straight into your bank, then you pay your bills, your electricity, your phone bills, your shopping, and it goes. So how many years are you going to do this? Jusqu'à quand on va faire ça? Is it not time to learn how to multiply your money? Est-ce que c'est pas le moment d'apprendre à comment multiplier son argent? Isn't it time? Est-ce que c'est pas le moment? So this is education. Donc ça c'est l'éducation. What was the first thing we were told when we were growing up? La première chose qu'on nous a dit quand on grandissait. Go to school. Va à l'école. Get an education. Va apprendre ton éducation. Get a good job. Aie un bon travail. And prosper. But that education did not help us. Ça, ça nous a jamais aidé. That education kept us ça, ça here. Nous a laissé un... Because we were never given the parce right qu'on education. Nous a jamais appris la bonne éducation. So this all works, guys. Donc ça, ça marche. As long as you are ready. À partir du moment où vous êtes prêt. Guys, I want to say something to you. Who here has studied 3-4 years as a profession in as a student? C'est qui aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui ont pris un travail professionnel à l'école? Who's done a degree or masters? Qui a eu un master, un doctorat? Anyone? Plus de personnes? No. Okay. Okay. The reason why I'm saying that. La raison pour laquelle je dis ça. Because if you're going to go and become a doctor, sorry guys, si if you're going to become docteur, a doctor, if si you're going to become a doctor, what do you have to do? Qu'est-ce que tu dois faire? Étudier? How many years? Combien d'années? 10 ans. 10 years. 10 years you study. Pendant 10 ans, did you make money? Est-ce que tu mets de l'argent pour notre étudier? Non. As soon as you enroll here. Alors que à partir du moment que toi tu t'inscris, tu te fais de l'argent immédiatement. Think, guys. Si tu connais. Pensez, réfléchissez. Because you're making money straight away. Parce que tu te fais de l'argent directement. And then if you promote it. Et si tu montres ça à quelqu'un. Because you're helping the company. Parce que tu aides la compagnie. Because the company doesn't want to advertise. Parce que la compagnie ne veut pas faire de publicité. On TV. À la télé. Radio. Dans la radio. Newspaper. Dans les journaux. That costs money. Ça, ça coûte de l'argent. So the company said. Donc la compagnie a dit. Will help us if we use the product. Je vais vous aider si vous utilisez le produit. And we're making money. Et que vous faites de l'argent. Go and speak to people. Et parlez aux gens. And then we will pay you. Et on va vous payer. Simple. Simple. Okay. Aussi simple que ça. So guys, who's got a smartphone? Who's got iPhone and who's got Samsung? Qui a un iPhone ou qui a un Samsung là parmi nous? Yeah. Tout le monde. Yeah. Okay. Do me a favor. On your smartphone, if you've got App Store, if you've got iPhone, si go to iPhone, App Store now. App Store. Download MetaTrader 4. I'm going to show you money. You want to see money? Vous voulez voir de l'argent? Partez sur mon téléphone. Toute personne qui a un iPhone, pour les autres personnes, les Samsung. Okay. Go into MetaTrader. Go into my App Store. Allez sur la App Store. Yeah. Agree. And then if you've got. Si qui a App Store? Do it now, guys. Si vous avez un iPhone. Yeah. Do it. Okay. Meta 4. Meta. I'm going to show you now. Il va vous montrer maintenant si vous avez l'application. So, iPhone, App Store, MetaTrader 4. If you got a Samsung, Play Store, MetaTrader 4. Download it, guys. Because every one of you's got apps on your phones. Yes? Si vous avez un Samsung, vous pouvez aller sur Play Store. Il va vous montrer tout de suite comment faire de l'argent. Tell them, how many of them have got apps on their phone? Combien de personnes ont trouvé un apps? None of the apps that you have is making you money. Oui. Je ne voulais pas interrompre le monsieur parce qu'il n'a pas encore fini son intervention. Ok. Mais les gens sont en train de chercher pour l'instant métaphore. Ouais, parce qu'il y a 145 euros à payer pour l'abonnement pour la personne qui n'a pas trouvé deux personnes derrière. Est-ce que. Et si quelqu'un n'a pas trouvé deux personnes derrière, il n'a pas payé les 145 euros, est-ce qu'il perd son inscription? Non, jamais. Voilà, c'est là où on a
Parce que nous, il y a des personnes qui voulaient s'inscrire, ils n'étaient pas prêts. Ils pensaient que s'il n'a pas payé, il perd son inscription. He was thinking that if you are registered and you don't pay like let's say after the next month or the few months, are you losing your subscription and after the month it just stops. Ça s'arrête juste. Ça s'arrête juste. Et dès que tu es prêt, I'm explaining to you. Et dès que tu es prêt à payer, et ben tu viens à partir du moment de là où tu payes. Tu ne payes pas les mois que tu n'es pas rentré ou que tu n'as pas pu payer les 145. Mais penser comme ça, c'est la mauvaise manière de penser. C'est annuel ou bien trimestriel? C'est annuel ou bien trimestriel, les 145 là? Non, mensuel. Mensuel. Moi, j'ai payé 150 euros à Google, mais il n'y avait pas la visite. Ok, vous êtes tous sur Métaphore? Parce qu'on doit arriver, on doit partir. C'est fini là, c'est ok. Mettez Métaphore 4 dans votre téléphone, vu qu'on doit faire. Look at this. Regardez, il va vous montrer. You know, people in back, you know, before the smartphone. Before the smartphone. Before people were going to ride to the exchange. Avant les smartphones. Avant les smartphones, les gens partaient directement acheter et revendre. Les là revendre. Ouais. Voilà. But now you don't have. Maintenant, t'as plus besoin de te déplacer. T'as tout. Technologie. La technologie. Ok. You can sit at home and make money. Okay. Okay. So this is your pairs. This is your trading. Okay. Ça c'est le trading. Right. Vous allez pas voir parce que c'est un peu loin. But if you download it and if you're interested, et si vous êtes intéressé, we will show you how on va vous to use montrer comment utiliser cette application. Because we give you signals. Parce qu'en fait, vous recevrez des signaux directement sur les applications. So tell them we can put them in a WhatsApp group. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, parce que là on a terminé, on a déjà les résidents qui nous font signe. Donc, on a la possibilité de pouvoir vous mettre directement. Il y a une question. Moi j'ai une question. Oui. Par rapport à tout ce que vous avez dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une site aussi chez Google. Les gens ils se déplacent à domicile, ils voient les numéros des sirènes des gens qui font les commerces. Ouais. Ils viennent à domicile pour vous voir. Oui. Ils vous font l'application pour que vous soyez visible. Oui. En fin de compte, pendant la visibilité qu'ils ont mis sur Google, j'ai payé 150 euros. Aucune fois, personne ne m'a jamais appelé par internet. Quoi. Okay. Donc moi-même, je faisais mes cartes de d'accord. bouche à oreille et c'est moi-même qui a progressé. Mais pas moi, j'ai payé 150 euros. D'accord. Mais que je le marché, que je n'ai pas le marché, il doit prélever. D'accord. Or que ça n'a rien à voir. Ça, le marché, c'est vous-même qui le faites. Et n'oubliez pas que ça, c'est du trading. Ça veut dire que votre clientèle, c'est votre argent. Votre clientèle, c'est vos devises. Ça veut dire que c'est vous qui choisissez qu'aujourd'hui je vais prendre des dollars contre des euros, je vais les acheter ou je vais les vendre et je vais faire mon argent. Là, vous n'avez rien à voir avec personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est pour nous-mêmes. L'argent que tu te fais, c'est toi et ton téléphone. Personne ne le sait autour. My donc, question is, give it a go and see for yourself. Voilà. Donc, if it doesn't personnes, work, you say no more. There's no contract. Voilà, il n'y a pas de contrat dans ça. Si vous êtes inscrit, vous essayez un mois. Si vous ne voulez plus le faire au bout d'un mois, on arrête. Free, ok, 3 mois, disons, pour pouvoir laisser l'application. Parce qu'en un mois, on n'a pas rien à faire. Les prélèvements, c'est les échanges des comptes à compte. Oui, à la fin, vu que. Charlene, tell them we will teach them. We will sit with them and teach them. En fait, ça, pendant qu'ils sont là, parce qu'ils sont là que pendant 3 jours, je termine, hein, pardon. Ils sont là que pendant 3 jours. Donc, c'est là où on peut vraiment profiter par rapport au temps qu'ils sont là. Pour poser toutes les questions. De toute manière, pour toute personne qui veut de numéro de téléphone, qui veut mon numéro de téléphone, pour que je puisse bien apprendre et pour profiter d'eux pendant qu'ils sont encore là, ils seront là jusqu'à mardi, voire mercredi. Voilà, il y a de toute manière des Zooms, il y a toujours une application pour qu'on puisse se voir aujourd'hui. Donc, voilà. Je donnerai mon numéro, je le donne maintenant. Tu prends tout le monde le numéro. Il est où le papier pour tout le monde donne le numéro. Non, mais mettez le numéro là, nous on va appeler. Le numéro, les personnes forcément aussi. Écris ton numéro avec ton nom.
donne la formation. Chef, c'est possible. Nous avons combien pour tous les membres pour donner le numéro. Je vais communiquer le numéro à Charlène, à toutes les personnes qui sont intéressées à s'engager. J'ai le numéro de Charlène et je vais vous communiquer par SMS. Pour les personnes intéressées, voilà, recontacter. Guys, Ernest, il me dit que des gens qui sont intéressés maintenant. Voilà, pendant que tu termines, toi, ta conclusion. Guys, put the numbers. Name, numbers, email. The numbers and email. Okay. Charlie, please. Guys, take the numbers. Put them on WhatsApp. On va passer en papier, vous pouvez mettre votre nom, vos numéros de téléphone et votre email, s'il vous plaît. Tell them we're going to put them on WhatsApp. Et on va vous mettre en un groupe de WhatsApp où on peut communiquer ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous donner. And we can give you the signals. Et on peut vous donner aussi des signaux pour nous communiquer. Pour toute personne qui veut juste mettre, comme ça, moi, je pourrais les contacter directement. Leur numéro de téléphone, leur prénom, comme ça, voilà. Le nom, le prénom. Prénom, non, prénom et numéro de téléphone. Attends, comme ça, j'ai tout le point. Voilà, mais je veux dire, comme ça, moi aussi, j'aurai des détails, je vais vous mettre en tant que condition. En vous remerciant déjà même le fait que vous soyez venu. Moi, j'ai déjà ce qui s'appelle avec vous. Merci. Ça y est, Ernest, excusez-moi.